Salut les gens, c'est Sane, on se retrouve sur Up Anniversaire S4 avec toute la clique, le Sing, Broudaf et Ardarine. Ça va Broudaf? Ouais, ça peut aller. Allez, c'est reparti. Nous ça va nickel les autres, hein. Merci d'avoir demandé. Non mais c'est parce que je me fais un grand plaisir à regarder le Portugal que je demande à Broudaf s'il va. C'est vrai qu'il est très bleu le Portugal. Le Portugal est bleu et les troupes portugaises sont noires. Et Naples va se faire défoncer la mouille. Adieu Naples. Oui. Là, Naples, il est tellement déprimé qu'il en bouge même pas quoi. Oh, et la flotte portugaise vient de se faire choper. Ah ouais, j'étais en train de bouger ma troupe. Ta troupe ? T'as encore une troupe finalement ? Et ouais, il lui reste 12 000 hommes. Non, 34 000 s'il te plaît. Oui, 34, 12, vu leur efficacité. Mais ils sont très efficaces contre les Africains, c'est le français qui est cheaté. D'habitude, contre des gens qui ont pas d'armée, ils sont super efficaces. Oui, 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 je comprends. N'empêche qu'en Afrique, j'ai 3 techs d'avance, hein. J'ai pas de tech d'avance en Afrique. Le mec, il te sort ça en mode oui. Oh, arrête de mentir, c'est faux. Même en Afrique, j'ai pas de tech d'avance. Ce que tu racontes, arrête tes salades. Ils sont costauds pour moi, les Africains. Attends. En plus, ils ont plein de manpower. Hein. Terrible. C'est. Je suis en train de me demander un truc, les mecs, parce que nous, notre autre partie, on l'a fait en difficile. Est-ce que j'ai laissé difficile? Je crois pas, hein. Option de jeu, est-ce qu'on le verrait? Non. J'ai pas les paramètres. Pas grave. Hein. De toute façon, je vois pas la différence. Hein. C'est clair. Légitimité de l'héritage. Gênes résiste encore et toujours à l'envahisseur. Ça m'arrange pas. Vite, vite, faut que tu puisses faire la paix. Est-ce que ton pays aurait des soucis? Bah, je suis encore en positif, en thune, mais là, il commence à prendre le cœur économique du pays, quoi. Bah, au pire, il te sort, hein. Ça accepte, bah, non, hein, moi, je veux les provinces, attends. Ouais, bah attends, il n'a accepté la guerre qu'à condition que je lui refile des provinces, donc... Ah oui, ah oui, bah du coup... c'est un peu la merde, quoi. Je vais vite fait accélérer le siège du Narbonnais. Ouais, parce qu'il est un peu lent, hein. Ouais, ouais, mais c'est une bonne forteresse, il a dû l'augmenter. Et t'as que 3000 canons dessus. Ah, ils ont pas de canon, oui. Les mercenaires, c'est terrible. Hein. Ça dépend. Bon, au moins ça m'a servi, il m'a débarrassé de mes rebelles. Tu peux me transférer le siège. Ah, le siège. Putain, c'est que je m'en aille, quoi. Non, mais parce que sinon je peux pas canonner. Merci. J'avais pas fait gaffe, ouais. Mais mes voilà. Troupes dans le nouveau monde. Non, reste, on est à zéro si tu t'en vas. Mes troupes dans le nouveau monde qui étaient toujours en siège automatique et sont en train de traverser toute l'Amérique pour aller taper sur les colonies françaises à l'autre bout du monde, quoi. Ah oui, c'est vrai qu'il est à la Cascadie, là. Ouais. Enfin, il est en train de la faire, la Cascadie. Demi-tour. Manque d'eau. Ils sont sérieux? Casse-toi, je lance l'assaut. C'est déjà fait. J'ai plus aucun soldat. Ah. J'ai plus aucun soldat qui peut faire l'assaut, en tout cas. Moi, j'en ai. Enfin, quoique, remarque, si je les prends et que Ardarine me les file, je suis pas contre. Une petite mission, ruiner Gênes, c'est fait. Bien joué. Alors, du coup, demander la paix, imposer la religion, des repas de guerre, du pognal, on est à 90, tu vas rompre ton alliance avec la France, là il veut pas. Puissance militaire, j'ai pas de score. Peut-être ça m'a pas un peu tôt. Ah putain. Mais tu t'es barré. Le misclic. France, merci 1300 balles à Venise. Oui, mais il me proposait de l'argent. Mais putain. C'est même pas à moi de tes revenus. Mais il me proposait de l'argent. C'était tellement pas de sous, zéro quinte d'inflation pour 1300 balles.
C'était rien. Il m'a proposé des sous. Dan, t'es pas cool, t'aurais pu attendre. Oui, je sais, mais là, d'un coup, il m'a proposé plein de sous. Moi, je dis, ça vaut une rupture d'alliance, ça. Hein. Je voulais attendre, je te jure, je voulais attendre. Oh la vache. Tu te fous de ma gueule, tu te fous de ma gueule et j'aime pas ça. Moi, je dis, ça mérite une rupture d'alliance. Ah non, m'oblige pas à m'allier avec le portugais. Fais pas ça. Tiens, je vais te dédommager. Pas avec toi. Je vais te dédommager. T'as intérêt à bien me dédommager. Il te file les 1300 balles du français. Hop. En avant. Tiens, je te dédommage. Ah, c'était une belle somme. J'aime beaucoup. Tu vois ? On va pas se fâcher pour si peu. T'as filé combien ? Non, effectivement, il m'a filé 10 000 balles. 10 000 balles ? Voilà, là, tu vois, on est de nouveau de bons amis. C'est intéressant. C'est très agréable, c'est très agréable. Ah là là. Ah, ces prêtres qui se font acheter avec des petites breloques. Alors, on n'est pas des prêtres, on est des combattants, on est des moines guerriers, c'est pas pareil. Il faut financer voilà. Ah là, il pourra mettre des pierres précieuses sur sa masse comme ça. Les masses baf. Ah, si tu veux me filer les colonies du français, je suis pas contre. Bon. Moi je veux les deux colonies africaines et Montpellier et Narbonne. Moi je veux, est-ce que je réclame quelque chose, moi ? Ouais, il a rien réclamé, il a pris ce qu'il voulait dire. C'est quoi avec... Allez, je prends ça, ouais. Avec la Provence, ça prend. Avec la... Ouais. Ouais, mais non. Ma stud était trop élevée, de toute façon. Je pense qu'on va prendre ça, une petite réputation. Règne contesté, on perd 10 en dévotion. Rapidement 10, waouh. Ah ouais, en plus du coup, faut faire le siège de Gênes maintenant. Ah ouais, faut recommencer. Oh putain. Mais il me filait des sous et d'un seul coup, pouf. Ça c'est mon explication. Regarde, il est en train de me prendre toute l'Afrique. Putain, mais on peut même pas passer jusqu'à Gênes, quoi. Eh oh, passe pas chez moi. Hein. Ah si, ça y est, il a filé l'accès. Merci, quoi. Monsieur. J'aime le... Le haut et le bas de Hardarine. Non, mais là, oui. Ah, d'accord. Non, ça va. Temps, hein, pour 10 000 balles. Voilà, quoi. C'est un misclic. On peut rien faire contre un misclic, c'est comme ça. Il y a faute de jeu, Non, mais il a déjà gagné ses 5 000 soldats dans sa forteresse, le génois. Saleté. Mince, le prix des épices qui baisse. Hein. Pas très sympa, tout ça. Ouais, du coup j'y reste pas parce que... Ah oui, barre-toi que je puisse mettre un coup de canon. S'il vous plaît. Non mais... Il avait oublié le s'il vous plaît. Ouais, non mais... Terrible. Alors... La politesse, tout ça. À qui je verse des subsides déjà ? Moi je verse des subsides à quelqu'un, je suis quasiment sûr. 5, à qui ? À Karakoyanlu ? Ah oui, non ça va, c'est normal ça. Bon, on va falloir qu'on fasse une opération cassage d'armée française. Elles sont toutes chez moi. Mais oui, j'imagine. il faut aussi que je file ça au portugais. Demandez la paix. Non, pas la guerre. Demandez la paix, j'ai dit. Donc ces deux trucs-là, et toi le... Où est-ce qu'il y a des colonies françaises quelque part ? Le problème c'est que je sais pas si tu veux les voir. C'est tout à l'ouest des États-Unis, donc
Je le vois pas. Je pense pas que tu je le peux vois. Pas le prendre. Je sais pas si t'as un pays qui s'appelle Kwayalik. Akokulo. Akuokulo. Mais j'y crois pas trop, honnêtement. Mission menée à bien, quoi. Tu es le français ? Comment ça se passe ? Quelle mission menée à bien ? Hop là. Absolutisme scandinave. Ah d'accord. Ah d'accord, il a renvoyé ses armées super loin. Et demander la paix, pourquoi il veut pas ? Parce que je demande 96 oh, et... Ça, c'est très bon ça. Et on n'a pas 96 de score de guerre. Bah on va s'en occuper, normalement je me suis placé de chaque côté des Pyrénées là, pour pouvoir avancer un peu. Oh, il y a des rebelles chez moi. Tu vais. Des oh, il y a des séparatistes. Des gens qui se rebellent chez toi, mais qu'est-ce que tu leur as fait ? Chez Karakoyonlu, il y a plein de séparatistes et tout ça. Elle est où la flotte française hein ? Parce qu'elle était un peu vénère quand même. Non, voyons, voyons. Oh, ça se répète ça. Ça m'obligera à attaquer ça. Tu vas à Lisbonne si tu veux. Du coup, allez. Le pauvre. Voilà, pour faire une petite revendique. Allez hop, un destab en moins. Ouais, mais je peux pas aller récupérer les troupes françaises parce que il y a le fort de Ciota là qui m'empêche. Non mais de toute façon, avec la guerre des paysans, la stab c'est compliqué. Bon. Tiens, il y a mes colonies qui tiennent le détroit si tu veux. Non, je peux pas. De toute façon, je peux pas parce qu'il y a la forteresse. Il y a la forteresse, donc on est bloqué. On peut pas aller choper les armées. Ils nous font quoi avec le commerce mondial là ? Ils savent pas compter les mecs ? C'est vrai qu'il est 1603, il est grand temps que je donne l'ordre d'attaquer les Caraïbes, là. Ah, je l'ai sorti. 81%. Ouais, bah on va pas pouvoir vraiment faire mieux que ça, quoi. Hein. Pourquoi ? S'il veut faire toute la paix que je veux... T'as oublié des terres pour le Portugais, il manque Toulouse et Carcassonne. Okay. Oui, non, mais déjà, s'il me file ces deux-là, ce serait bien. La Castille. Au moins, ça fait le passage quoi. Avec moi. Il manquerait plus que ça. Ah. Hop. Hop là. Du coup, t'as demandé zéro sous. Bah ouais, parce que je pouvais pas. Oh là là, je me sens spoilé. En même temps, hein. Ouais, justement. Vaut mieux 10 000 qu'on partage pas que 2 000 qu'on partage. C'est un scandale. Eh, le Portugais s'en tire bien, regardez. Il est toujours en vie. Ouais. Avec la moitié de mon armée. Bon, en même temps, on t'avait dit avant la guerre, va mettre tout au sud de l'Afrique. Bah, j'ai mis tout en Afrique, mais il était tout au sud à la fin de la guerre, là, je te signale. T'as mis tout au nord de l'Afrique. Et tu t'es fait. Ouais. Regarde d'ailleurs à ce sujet. Deux, cinq, cinq, c'est pourri. C'est l'Aztec qui est en train d'attaquer les pays. Les Pays-Bas quand. Ah, c'est les Pays-Bas qui attaquent l'Aztec, merde. 17 points de mine, je vais changer de focus. Voilà, c'est mieux. Oh, il est juste en plus. Il est bien le nouveau. Parfait, j'ai rattrapé mon retard technologique administratif. Je suis en retard de quoi, moi ? On va mettre un petit budget supplémentaire là, ça va pas faire de mal. Par contre, nos revenus, ça s'est bien cassé la gueule. J'aurais pas dû enlever le focus. Allez, pas grave. Commerce mondial. Oh, c'est chez moi. Wow, quelle surprise. Ouais, il y a des trucs des fois comme ça, on se dit, tiens, on s'y attendait pas. Je l'ai bien fait. Hein. J'ai bien joué. Oh, mon
dieu! C'est chez moi. Bravo, Slan, t'as vraiment bien joué ton coup. Franchement. Allez. Bon. Hop là. Toi. On va faire un petit troupe de mercenaires. 105 sur 164. Ah bah non, on va en reprendre d'autres aussi. Voilà. Autriche est une grande puissance. On attaque la République des Corsaires. Je peux quand même pas la rivaliser. C'est triste. Ouais, c'est une petite grande puissance. Pourquoi je peux pas l'embaucher? Faut 1K pour embaucher ça. 1K? Ouais. Qu'est-ce qu'il fait? Mais que fait-il? Pour embaucher la compagnie indépendante, faut 1K. Oh putain la vache, 0,06 par mois le commerce mondial, ça pique. Fais ses réserves, elle peut pas. Bon, je vais prendre celle d'à côté, la compagnie nubienne. Attends, 16 de tech, ouais, ça va. Eh ben, tu sais quoi, malgré la guerre contre le français, l'indépendance de la Moravie est toujours soutenue par le français. Je te jure. Indépendance soutenue par la France. Ça n'a strictement rien changé. En même temps, il faut le défoncer pour de bon. Il n'a pas beaucoup diminué. Hein. Il y a toujours ses grosses troupes. Il a perdu. Après, il y a quand même un truc qui, à mon avis, joue énormément dans l'équation. C'est que pour tenir en laisse la Moravie, je lui ai fait payer les QH dans lesquels elle n'était pas en guerre contre la France. Donc, à mon avis, c'est pour ça. Bah voilà. Mais bon, je suis à 84,6% d'annexion. Je suis tranquille, je pense. Ah, parce que tu l'as mis à moins de 50 quand même. Oui. J'ai claqué un peu de prestige, vu que du prestige, j'en gagne à volonté. Bon, il va falloir qu'on commence à s'occuper de ça. Alors, garantie sur Delhi, Gujarat, Malwa. Bon, Gujarat. Delhi. Pas ça dit avec moi à nouveau, Delhi ? Non, je veux plus. Allez, faites-moi quelques revendications par là. Les marins, ça va. On a ce qu'il faut, marins. Donc, si j'attaque Ardalan, ça déclenche une guerre contre la Perse. Mais la Perse, c'est rien, c'est personne. Transoxiane, je peux pas l'attaquer. Mais si tu m'invites, je viens. Alors. Attends, j'ai dû repousser le remboursement d'un prêt, mais où va le monde, quoi. C'est dingue, tous ces gens fauchés partout. Comme les blés. C'est super triste. Ouais, on se demande bien à cause de qui, hein. Mais j'ai rien fait. Junpour, t'es dans la quoi? Pourquoi t'es dans la quoi? C'est bien ça. Oh, mais je peux te payer. Ça va sûrement être un petit peu cher, mais je peux te payer. Hop. Et hop là, nationalisme. C'est parti. On prend encore 60% ici. Allez, nouvelle guerre, et on saute à la gueule de nos ennemis. Pas très très sympa. C'est qui tes ennemis cette fois? Les Bohémiens, ces sales hérétiques. Tu m'avais pas filé le Cameroun, ok. Non, je pouvais pas, c'était trop cher. Oh. Strasbourg, double stack wipe, triple stack wipe. Oh, c'est bon ça. Je peux pas l'influencer. Ah, maintenant, c'est plus la Scandinavie scandinave, c'est l'Europe occidentale scandinave. Attention, quoi. Wow. On déconne plus. Il est l'Europe. C'est ça, occidentale. Occidentale. Ouais. Alors, bon, alors je suis en guerre contre combien de milliers de personnes? Beaucoup! Mais on peut se permettre de claquer de la... du poing, c'est pas un problème. On va commencer par mettre la Bohème à genoux.
pour sa capitale, déjà 21% de siège. J'ai à peine démarré la guerre, je suis déjà à 16% de victoire. Non, pourquoi tu prends... Parce que j'ai déjà plus de 10% de score de guerre grâce aux batailles. Bon, en mettant 3 stack wipe, tu m'étonnes que ça pique. Il est trop méchant, ce teuton. Et il est méchant. Ah, trouve un truc à construire. Fais-moi de la thune, là, pour rembourser mon prêt. Je peux pas, plus rien. J'ai 20. À 20 000, ouais. Non, j'ai 20. Aïe, aïe, aïe. Puis je gagne pas tant que ça. Hein. Oh bah oui, mon pauvre. Je compatis. Je compatis. Mais je pensais que j'étais en guerre contre plein de gens, mais en fait, pas du tout. Ici, on est à 139, c'est bien. Et là, on dépasse un chouïa. Mince. Nappe, il a rétréci. Comprends rien. Il a perdu 10%. Voilà. On va pouvoir rembourser. Oh, mais non, il se reconvertit, lui. Je l'avais déjà converti tout à l'heure. Ah, ils sont chiants. C'est incroyable. Hein, le temps qu'on leur fasse la guerre, ils se reconvertissent à l'hérésie. Ah non, mais ils sont insupportables. Ouais, ah ouais, vraiment. Honteux. Ouh, l'influence des... La faction des corporations, dis donc. Elle gagne de l'influence parce que je suis en surexpansion. J'ai 100 pour les corporations et 0-0 pour les deux autres factions. Non, on doit avoir 100 bateaux qui traînent, ouais. Hop. Dans la Manche, les gars, dans la Manche. Les sièges tombent comme des petits pains. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de mal? On pourrait peut-être aller taper un petit peu en Europe. Pour la gloire, pour... Dieu et l'or. Oh bah oui. La Hongrie, Nitra, tout ça. Bon, ce qui est cool, c'est que je fais... Ah, mais Nitra qui a embauché 25 000 soldats autrichiens. C'est scandaleux. Ouais. Je pense que l'Autriche, il va falloir aller lui faire un sort. Hein. En plus, il faudrait... Je pense que ça serait vraiment très intelligent de rendre Trieste à une nation catholique aussi fervente que Venise. Mmh. Quelle Venise tu parles? Ah oui, moi. Oui, 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 tu sais. Celle qui donne de l'or. C'est bien cette Venise-là, non? Ah bah, hey, qui finance le culte? Ah voilà, qui finance le culte? Aïe, aïe, aïe. Tout à fait. Récolte des terres. Qu'est-ce qu'il faut pour entendre? Tout s'arrange avec des généreuses donations envers l'Église, toujours. Je c'est te connu. Déteste, 10 000, tu es mon ami. Toujours, voilà, mon ami. Toujours l'Église. Tant que Dieu est satisfait. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour Dieu, hein, vraiment? Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour qu'il soit satisfait? Oui. Moi, je suis... j'aime tellement Dieu que je les aime tous, les dieux. Alors ça, en revanche... Ah bon, pardon. C'est risqué. Pas ça, fallait dire. C'est risqué. Ça se tente. Fallait pas dire c'est ça. Risqué. Après, une petite ordonnance et on oublie ces paroles malencontreuses. D'accord, bah je vais envoyer un peu d'argent au pape. Pendant ce temps, nous sommes à 96% de l'intégration de notre petit vassal le Morave, qui était beaucoup trop soutenu par notre ennemi le Français. Moi, j'ai rien compris. J'étais à 100% de Naples et d'un seul coup, il est passé à 87%. Petit bonus t'as pas qui a perdu expiré. Un petit bonus qui a expiré, quoi, clairement. Oh, j'ai déjà 70% de victoire. J'ai même pas fini de défoncer tous les ennemis. Mais calmez-vous. Ne soyez pas aussi prompt à la défaite. Un peu de suspense. Delhi, Malois. Alors, là, je suis à 0. Catastrophe coloniale. Ah, j'ai des colonies. Ah, tout se passe à merveille. Bon, il crève le roi, là. Enfin, le dirigeant de la croisade. 71 ans, là. J'aimerais bien que mon 2-4-6 de 39 ans, il prenne le relais. On peut faire un bâtiment. Quand la citadelle de Barm. Ah ouais, tout ça mal. Ah
Bon, il faut que je monte un peu là en argent là. Donc ça c'est un vassal, ça c'est pas un vassal. Donc demander la paix. Ouh, le petit 5% trop gros pour lui imposer la religion. Mais on a quoi une préparation de guerre, transfert de puissance, du pognon. Ah, c'est celui-là que je cherchais de conseiller. Motif d'entretien terrestre moins 10%. Le seul qui vaut le coup. Parce que toi t'as des problèmes de sous quoi. Bah ouais, bah tu rigoles, mais je paye 130 pour les conseillers quand même. Hein. Bah ouais, c'est pas drôle, je sais. T'as vu, on a bien personne de salaire. Oui, je paye 130 par mois pour les conseillers. Ah putain. C'est quoi, t'as 3666, c'est ça? Non, c'est limité à 5. Ah la vache. Et pour les monter, en plus, ça coûte 3000 par personne. Ouais, je sais. Ah, j'en suis à 10 000 de dépenser, plus 130 par mois. Ça, c'est pire qu'un teuton. Quel gros. Je dépense pas tout ça tous les mois, hein. Bon, faut dire que je... Ah, on a fini d'intégrer le Morave. Le truc, c'est que je sais pas quoi trop quoi faire, sinon. Ah là, ils sont tous beaucoup plus calmes. Du coup, on va lancer l'intégration d'Opol. Puisque lui aussi... Peut-être essayer d'attendre ça. Du conflit commercial avec la Hongrie, non, on va faire un truc un peu plus rigolo. Hop, on va faire une L'Autriche, elle a aussi refourgué des armées à Silet, mais c'est n'importe quoi. Écoute, je pense que ça signifie qu'elle ne t'aime pas beaucoup. Bah, peut-être parce que je l'ai rivalisé, que c'est une hérétique à ma frontière, tout ça, tout ça. Ouh, ça va tout. Ouais, c'est vrai qu'elle est réformée, l'Autriche, ça fait tellement mal pour toi. Eh ben, on va la déformer. Voilà, voilà, ah, voilà. Nouveau dirigeant de la croisade, quelle bonne nouvelle. Te fais pas dire. Et le prochain, ce sera un 5-1-3. Du coup, je prends mon petit bonus qui me rapporte 2 points de puissance. Ensuite, pendant 100 ans, j'aurai tolérance envers sa seule vraie foi et influence sur le pape. Allez, voilà. J'espère que cette fois, mon dirigeant ne va pas crever comme une grosse merde au bout de quelques mois. Comme d'hab. Ça me ferait quand même bien chier. Jeune pur, 42, y a pas moyen de trouver un moyen, là. Je veux pas te verser des subsides, faudrait que je te paye 400 par mois pendant 500 ans. Fin du siège de Celsier. T'as 15 ici. Document falsifié, 10 de prestige, ok. Oh, et attendez, bougez pas, qu'est-ce que je gagne? Oh oui, 10% traditionnel terrestre, 20 traditions... 10 professionnels, pardon. 20 traditions terrestres, et jusqu'à la fin de la partie, combativité de la cave, plus 15 traditions terrestres, plus 1... Combativité, capacité débordée en plus 50%, vitesse de mouvement plus 10 et ratio de cavalerie plus 50. Tricheur! Oh là, là! On a fini les pièges. Alors, demander la paix, toi. Imposer la religion, je ne peux pas. Compagnie commerciale. C'est quoi? C'est la Sibérie? Oh, la Makouri! Ouais. J'avais pas vu la Makouri qu'elle existait. Oh oui, on peut faire ça. Conclusion, si elle existe, elle doit mourir. Comprendre une tuée. Oh la vache, ça a déjà été pris la tech 17 militaire. Eh bien, déconne pas. Hop là, choc de cavalerie plus 1, on aime. Il y a des gens qui sont en avance. Ça va. 190%. Une broutille. C'est sûr, avec des 5-5, ça peut te faire plaisir. Viens de toi. Fais ce qu'on peut. Terminé. Ça, c'est terminé. J'ai plein d'events, j'ai plein de trucs qui se passent. Allez, on investit dans les colonies. Ah, j'avais pas vu, mais faut que j'aille déboulonner ce truc-là aussi. Bon, bah, coup, ah, mais je perds des points, j'ai pas assez de rivaux. Portugal ou Scandinavie? John Poor, non. Ouais, je veux rivaliser de John Poor, c'est vrai? Non, je ne veux pas rivaliser de John Poor parce que j'essaye de le sortir de la coa. Si je fais ça alors qu'il est à 42, c'est un peu con. Ah oui, il y a toi qu'il faut que... Ça sera la Scandinavie. Ah! Hop là! Je vois. Puis je vais l'embargoter. Bah écoute. Ah non, j'ai pas de bonhomme.
à l'autre. Riposte. Elle t'exagère. Mais quel copiteur. Riposte. Non, mais... aucune initiative, je suis un truc qui copie direct. Hein. Vous êtes rivalisé l'un l'autre, c'est ça ? J'ai quelqu'un pour mettre un embargo, moi, monsieur, parce que je suis quelqu'un de sérieux. Et moi, je suis très occupé à revendiquer un peu tout dans le monde. Alors, mes revendicateurs, ils sont pas très bons. Hein. Alors, du coup, toc, 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 achetons de la confiance. La réforme va s'achever dans 93 mois. Tant mieux, parce que j'avais plus rien à prendre, là. ...106. Trêve avec le Mamelouk en décembre. Alors, est-ce que ça vaut le coup d'attendre, du coup ? Pas sûr. Moi, je fais un tas de paix. Hop, demander la paix avec... Oh, quand je vais attaquer misérable. Le Mamelouk, ça va déclencher une guerre contre la Transoxiane. Trop rigolo. Tu veux venir ? Ah non, je peux pas la cocher. Risque d'avoir un léger problème d'expansion agressive dans le Saint-Empire. Écoute, j'ai testé pour toi, franchement ça se fait. Transoxiane a mis tout ça. Et voilà, Jenny a disparu. Ah, je pense qu'on va prendre ça. Bon, je pense que ça devrait bien se mettre. Koxinga s'enfuit à Taïwan, quelle lâche. Ouais. Alors, est-ce qu'on pourrait pas améliorer un peu ça ? Est-ce que je pourrais dépenser des trucs ? Ouais. Complètement. Pif. Pas vraiment. Les bonhommes, ils sont 5-5-5. Ouais, donc on peut rien faire à ce niveau-là. Ça, c'est bon. Manufacture, temple, tout ça, on peut pas. On peut prendre des... Je peux me mettre en dépassement. Tiens. On va reprendre une compagnie. Toc, toc, toc. Tiens, avec 9 canons, une petite compagnie sympa ici. Ça, c'est pas en état. Un du siège de Munster, donc on va tout de suite passer sur une autre province, ensuite on va lui demander la paix. Ouais, je l'ai prise. Son pognon, il va oublier quelques alliances, sauf celle qui m'est utile. Au revoir tout le monde. Bah déjà. Déjà, oh là là, déjà. Mais en plus il nous fait ça en scred, il nous dit rien. Allez, salut. Allez, salut tout le monde, n'hésitez pas à aller voir les vues du Signe Noir d'Ardarine et la vue de Boudaf, c'est juste après le générique. A plus tout le monde, ça va être rigolo la vue de Boudaf, on va bien. A plus. Ciao ciao tout le monde. A plus.